Come back thee, my Lord, come back thee, come back thee, my Lord, come back thee, come back thee, my Lord, come back thee, oh Lord. Come back thee, someone's crying, come back thee, your church is crying, come back thee, humble is crying, come back thee, oh Lord. Come back thee. Ton église marche comme une église qui n'est pas gouvernée. Et ton peuple marche comme un peuple qui n'est pas appelé du nom de l'Éternel des armées. Et le monde demande où est l'église. Et le monde s'interroge où sont les enfants de Dieu. Seigneur, descends maintenant en ce lieu. Parle-nous et enseigne-nous. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous, dont il est étranger et voyageur sur cette terre, nous voulons avoir la provision afin, Seigneur, que notre marche soit une marche victorieuse. Afin que ton église soit une église victorieuse où qu'elle se trouve. Seigneur, nous voulons diminuer. Que toi seul tu prennes la place du roi des rois et que tu en tires gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hommes et des femmes qui vivent ici à Hambourg. Je ne le sens pas. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent ici à Hambourg pour Jésus-Christ? Alors, si vous êtes là, acclamons encore le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Merci, merci, merci. Est venu à la maison où nous habitons et nous a annoncé le thème de l'église glorieuse et qu'il commençait à nous brosser un peu le tableau. Je sentais en moi une révolte. Pas une révolte par rapport à lui. Mais une révolte par rapport au diable, une révolte par rapport à Satan. Amen. Et je suis venu ce soir pour pousser un frère, une sœur à se révolter contre le diable. Amen. Je suis venu ce soir pour pousser un homme, une femme, une maman, un papa de se révolter contre le diable. Amen. Lisons la parole de Dieu. Nous voulons parler d'un thème, d'un sous-thème. La création attend vivement la manifestation des enfants de Dieu. La création attend vivement et ardemment la manifestation des enfants de Dieu de Hambourg. Nous pouvons encore dire la création attend avec un ardent désir la manifestation de ma sœur qui est là, la manifestation de mon frère qui est là. On est en train d'attendre vivement. Éphésiens chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 27, mais je vais me focaliser au verset 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et se livre lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant avec l'eau de la parole. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. D'aucuns se disent, mais
Ce n'est pas le mariage. Comment est-ce qu'on est venu prendre ce passage? Oh, le Saint-Esprit nous parle ce soir. Amen. Vous savez, avant que je n'y arrive, un couple était en difficulté un jour, et tellement qu'ils ne pouvaient pas se mettre d'accord, ils sont allés voir le pasteur. Et le pasteur va poser la question à l'homme. Mais papa, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes un couple exemplaire. Dites-moi quel est le problème. Vous savez, les papas parlent toujours en résumé. Papa dira, pasteur, j'aime mon épouse, mais mon épouse ne m'aime pas. Un point et un trait. En résumé. Alors on va poser la question à madame. Mais ma soeur, dites-nous, comment se fait-il que vous puissiez en arriver là? Et ma soeur va dire, pasteur, j'ai seulement trois choses que je demande à mon mari. S'il accomplit ces trois choses, alors il n'y aura plus de problème. Première chose, lorsqu'il rentre à la maison de son boulot, il arrive à la maison, avant qu'il ne s'asseye là sur le fauteuil, avant qu'il ne prenne son journal, avant qu'il ne regarde la télé, qu'il vienne d'abord me faire des bisous. J'aime ça. Deuxième chose, et non la moindre, lorsque nous sommes en public avec lui, avec des gens comme Hambourg, aujourd'hui quand nous allons sortir après le culte, je veux que mon mari me touche. Troisième chose, et ça c'est à Kinshasa, ce sont des choses difficiles dans notre culture. Troisième chose, je veux que lorsque nous sommes en public, que mon mari me dise, chérie, je t'aime. Oh! Trois choses très difficiles. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ça nous amuse. Nous rions. Mais la femme, c'est l'Église. Mais la femme, c'est l'Église. Dieu est en train de vanter l'Église. Dieu, par Jésus-Christ, a racheté l'Église et a pris l'Église, l'a lavé, l'a sanctifié par l'eau de la parole. Il a tant aimé l'Église qu'il a lavé, qu'il a purifié pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Lorsque papa présente son épouse aux autres personnes, elle présente cette épouse glorieuse. Même si tu viens de la famille, tu dis que vraiment, cette femme que tu as pris ne s'est pas préparée, elle met trop de sel dans la nourriture. Papa dira, non, moi j'aime la manière dont elle met le sel là. Si elle prépare les semoules un peu molles, et que les gens viennent pour critiquer, papa dira, non, moi j'aime cette manière de préparer les semoules. Dieu est en train de vanter son Église. Dieu est en train de vanter son Église, mon frère, ma soeur. Alors, lorsque toi, tu es devant les païens, ici à Hambourg, lorsque tu te promènes, tu marches, tu es en train de parler avec les gens, ton Dieu est en train de te vanter là-haut, comme il a vanté Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué Hambourg, mon serviteur et ma servante qui est là? Mais je vais encore te dire une histoire. Dieu te vante, n'est-ce pas? Comme aussi ton mari te vante devant les gens et dit, tu es une belle femme, tu es une jolie femme, tu prépares bien, tu reçois bien les gens. Une épouse glorieuse. Et même si la famille s'interpose, s'oppose, l'homme qui aime sa femme la défend toujours jusqu'au bout. Mais écoute encore une histoire. Un jour à Kinshasa, je travaille dans une ambassade. Devant le château, pour ceux qui connaissent Kinshasa, il y a les chéguets qui sont là, les enfants de la rue, ils sont nombreux là-bas. Et moi, j'aime les aborder, parler avec eux. Et ce jour-là, j'étais avec eux, j'étais en train de les exhorter. Mais après, tous les chéguets se sont retournés contre un seul chéguet. Dites amen bien. Amen. Ils sont retournés contre un seul chéguet pour l'interpeller. Pour lui dire, mais toi, tu as une maison. Ton père est riche. Tu as une maman, tu as tout à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici avec nous? Est-ce que vous avez compris?
Qu'est-ce que tu fais ici dans la rue avec nous alors que tu as tout, alors que ton père a tout, alors que ton père te cherche, alors que ton père t'aime? Qu'est-ce que tu fais avec nous? Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Romains, chapitre 8, verset 18 jusqu'au verset 19, jusqu'au verset 20e. Mais je me focalise au verset 19e. Romains chapitre 8, verset 18 jusqu'au verset 20. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend quoi? La révélation de qui? Des fils de Dieu. Non, je n'ai pas bien entendu. Des fils de Dieu. Du fils de Dieu? Des. Du fils de Dieu? Non. Du fils de Dieu? Non. Oh, gloire à Dieu! La création attend la révélation des fils de Dieu. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Et la création attend la manifestation des fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la rue avec les autres chègues? Qu'est-ce que tu fais dans la rue avec l'autre chègue? Qu'est-ce que tu fais dans le monde? Qu'est-ce que tu fais? Tu croises les bras. Alors que la création t'attend. Alors que ta famille t'attend. Alors que Hambourg t'attend. Ils veulent voir la manifestation des enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu, c'est l'église glorieuse. C'est l'église du Seigneur. C'est l'église que le Seigneur présente comme une église glorieuse et sans tache. C'est ce que le monde veut voir. Lorsque le monde voit cela, alors le monde croira, alors le monde viendra, alors Hambourg viendra. Mais s'ils ne viennent pas aujourd'hui, prêcher avec des versets bibliques, ça devient difficile, même à Kinshasa. Tu peux prêcher toute la Bible de Genèse, Apocalypse, ça devient difficile. Mais cette création-là est en train d'attendre d'abord ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Alors lorsqu'il voit cela, la Bible dit qu'ils nous tiendront par les pans de notre robe. Et ils diront que moi aussi, je vais aller prier là où toi tu pries. Moi aussi, je vais aller servir là où toi tu sers. Mais ils ne viennent pas pourquoi? Les jeunes de ton quartier ne viennent pas pourquoi? Les amis, tes amis ne viennent pas avec qui tu travailles. Pourquoi est-ce qu'ils ne prient pas? La manifestation de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu en toi. Alors que Dieu t'a tout donné. Alors que Dieu te présente comme une épouse glorieuse. Les papas disent, maman, qu'est-ce qui te manque à la maison? Tu as tout, et la Bible dit, tout est à nous, que nul ne mette sa gloire dans des hommes. On nous a tout donné. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas encore donné? Il présente une église glorieuse. Et cette église, ce n'est pas ce bâtiment, loin de là. Cette église, c'est moi. Cette église, c'est mes soeurs qui sont là. Cette église, c'est mes frères qui sont là. C'est nous tous, le corps de Christ. Ici à Hambourg. Je prononce mal. À Kinshasa, aux États-Unis. Raison pour laquelle tu dois te révolter. Je dois me révolter. Comme ces chègues qui jouent avec l'autre chègue, ils ont reconnu en lui qu'il avait quelque chose. Toi aussi, lorsque le monde des ténèbres te regarde, ils savent que tu as quelque chose. Mais ils s'étonnent que tu sois dans leur groupe. Ils s'étonnent que tu ne fasses rien, que tu croises les bras. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça s'arrête là. Je lis ma Bible, je vais à l'église, ça s'arrête là, aux quatre murs. Mais la Bible dit, la création tout entière attend. Ce n'est pas seulement les hommes qui attendent. Même la nature attend la révélation des enfants de Dieu. Oh, je bénis le Seigneur.
Hier, il y a papa qui disait, c'est retard.